j'espère que vous allez bien. Je vous reviens dans un haul AliExpress. Donc, j'ai acheté que des bijoux et je vais vous présenter également une petite peluche que j'avais déjà commandée, que j'avais oublié de vous présenter. Donc, déjà, j'ai pris ce collier-ci. Avec un gros strass, un strass ici. Je vous mettrai une photo comme ça vous verrez mieux. J'ai pris ces boucles d'oreilles comme ceci. Moi j'ai mis au deuxième trou parce que j'ai un souci au premier trou. J'ai mon lobe qui se relève donc ça fait pas beau. Donc c'est pour ça que je les ai mis là. C'est des strass multicolores. Pareil, vous verrez pas très bien, donc je vous mettrai une photo. Là, c'est pas de AliExpress. Donc voilà ce que je porte déjà. Je vais vous cadrer comme il faut. Oups. Et donc, je vais vous présenter les bijoux. Donc, j'ai pris pas mal de colliers. Un collier doré avec des fleurs. Dans les tons pastels, vous avez du blanc, du bleu et des strass et des petites perles. J'ai pris ce collier, vous avez en argenté et les liens en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris comme ceci, en doré avec les liens en noir. Bien sûr, je vous mettrai les liens des bijoux en barre d'infos. J'ai mon chat qui est monté sur mon bureau, j'aime pas ça. Lolita, descends! Allez! J'ai pris ce collier, si je ne sais pas si c'est un défaut, celui-là, il est super. C'est que les petits maillons dorés, je les avais eu carrément retournés. J'ai du mal à les remettre et ils ont tendance à se retourner. Je pense que ça doit être un défaut de ce collier. Parce que j'avais eu le même en noir dans un swap de Nancy et le noir, il est parfait, il ne fait pas ça. Mais là, je vous dis, regardez, ça le refait. Les trucs là, à chaque fois ils se retournent. Pourtant mon noir il fait pas comme ça, ça doit être un défaut. Donc je sais pas, mitigé sur celui là ce magnifique collier. Évident à vous montrer comme ça. Et il a des strass transparents, bleu transparent et bleu un peu plus foncé, tout en restant dans les tons turquoise. Il est super beau, je trouve. Celui-ci est doré avec des petits maillons, des strass au milieu et en orange. Vous avez plusieurs couleurs, mais en orange je trouve qu'il pète, qu'il est super beau. Celui-ci, super coloré, j'adore. Vous avez du violet, du jaune, du bleu, du turquoise, du rose, pas mal de couleurs. Je vous le montre un peu mieux parce que il y a tellement de détails.
qu'en allant sur les liens, vous verrez mieux parce que c'est pas évident, comme je vous dis, à montrer comme ça. J'ai pris des petites puces en marguerite, je pense. Super Mimi, on a créé. Encore le dernier collier avec des perles et une grosse fleur au milieu. Et j'ai vu que c'était soi-disant une imitation Chanel, mais bon, j'ai vu plus tard ça. C'est le modèle qui m'a plu, pas parce que c'était soi-disant une imitation Chanel, un collier Chanel. Voilà. Et là, c'est tout des perles. Pareil, si je retrouve des photos, j'essaierai de vous les mettre. Voilà, voilà. Après, j'ai pris ces boucles d'oreilles ici. Elles sont super grandes, mais oui, ça fait super magnifique, je trouve. Plusieurs couleurs aussi, je pense. Super belle, franchement. Magnifique. Et j'ai pris ceci. Ils sont super belles aussi. J'ai oublié de vous présenter la dernière fois la petite peluche Pikachu. Trop mimi. Au cours de Sarah Messa, un bijou Joël au choix. Et j'ai pris ce bracelet. Argenté. Je trouve que c'est pas mal. Je vais vous montrer. En plus, c'est élastique, donc ça va tout le monde. Donc, bah, j'ai déjà fini. Bah, j'étais assez vite pour vous présenter tout ça. Donc, voilà. Je regarde si ça enregistre, oui, heureusement. Donc voilà, mon cadre a changé, mais j'ai mon choc, c'est acharné sur la caméra. Donc voilà les filles et les garçons, j'espère que ce AliExpress vous a plu. J'ai encore, je sais plus, 5-6 produits à recevoir. Donc je vous ferai un haul quand je les aurai reçus, quand je pourrai. Et ouais, voilà. Bisous tout le monde.